Bon, je vais d'abord passer un bonsoir à vos téléspectateurs, à vos millions de téléspectateurs qui nous écoutent maintenant. Je voudrais leur dire que l'histoire que je vais leur raconter, c'est une histoire vraie qui m'a beaucoup touchée, qui m'a laissé des séquelles. Et ce n'est pas facile pour moi, mais ce n'est pas du tout facile. Alors, c'est qui je découvre ce monsieur comment? Je découvre ce monsieur via une télé, une chaîne de télé. Mon fiancé aime trop regarder. Et un jour, je rentre d'un voyage. J'avais donc hâte de serrer mon homme entre mes mains pour lui raconter comment j'ai passé le séjour. C'est là où il me dit, concentre-toi sur cette émission. Ce monsieur a des débats, il a des thèmes importants. Ça, on peut faire un tour là-bas. Alors, je l'ai suivi la première fois, la deuxième fois. J'ai peut-être suivi ce monsieur pendant trois semaines, un mois. Et du coup, j'ai décidé de passer, d'aller lui rendre visite. Vous le suivez pourquoi? Quelle était la motivation? Quelle était la raison? Les raisons sont multiples. Je cherchais pas exactement ce moment donné là. Bon, c'est vrai que c'est distrait, mais. C'est distrait. Bon, au moins l'essentiel. Peut-être qu'on n'est pas entré dans certains détails profondeurs, mais dis-moi au moins, parce qu'on veut comprendre généralement ce qui motive, ce qui pousse ces femmes là à aller vers ces hommes là. Bon, mon problème c'était que chaque fois que je concevais, l'enfant ne durait pas. Donc mes grossesses ne mettaient pas à terme. Ne n'arrivaient pas à terme. Des fausses couches. Oui. Et j'avais besoin aussi. J'avais besoin d'un guide spirituel en fait. Et comme j'ai grandi dans des familles religieuses, mes frères tantes m'ont appris à suivre Dieu. Et ce sont des tantes, nous sommes des catholiques. C'est là où j'ai dit à mon type, ok, je vais un peu faire tout là. Puisqu'on avait à faire un tour dans les hôpitaux pour voir ce qui ne va pas. On a tout fait, des examens, on a pris des médicaments, mais ça n'allait pas toujours. Et les thèmes que ce monsieur développait, me touchait. Ouais. Je suis donc allé le rencontrer. C'était les paniers. Je suis arrivé là-bas. Il m'a reçu. Quand il m'a reçu, donc, il m'a demandé. Je lui ai dit, je lui ai posé la question de savoir est-ce que, en faisant ce traitement, je dois avoir des rapports avec mon homme, puisque je vis en couple, je suis fiancée. Il m'a dit pas de rapport sexuel. Pas de rapport sexuel. Je dis, bon, je vais expliquer ça comment à mon partenaire, mon fiancé. Oui. Il m'a dit, c'est vrai, vous êtes tellement jolie, vous êtes très belle. Si c'était moi, je ne peux pas m'en sortir, mais faites le poutou. J'ai dit ok. Du coup, il m'a dit, comme tu habites au Bounabéry, je vais te mettre en contact avec un prélat qui travaille avec nous. On va te donner les médicaments, mais lui, il va seulement prier pour toi. J'ai dit ok. Il m'a demandé de. Quand il a fini de faire la consultation, en faisant la consultation, je vois, il écrivait de ces choses, des trucs, ça a rempli le papier. Le type, si. Mais ce qui m'a un peu éclairé, c'est que quand je lui pose les questions, parce que j'avais préparé des questions pour lui poser, par conséquent aussi, il me disait que je ne fais pas le tout de maraboutisme, je ne fais pas, je ne suis pas marabout, je ne suis pas. J'ai dit ok. J'ai commencé le traitement. Chez le monsieur c'est son collègue de Bounabéry. Non, le chef c'est Monseigneur, l'appelle Monseigneur. D'accord. Et il a ses gens qui travaillent, ce sont les prélats, dont les prêtres et ses enfants, ses petits-enfants, quoi. D'accord. Bon, la première séance de prière que j'ai eue avec ce monsieur, il me dit il faut entrer dans la chambre des remèdes, je suis entré. J'avais une robe, je n'avais pas de cicatrice, parce que je n'aime pas porter de cicatrice, ça tire mes poils. Le type a commencé ce prédateur sexuel, parce que je veux lui dire, ce n'est pas un prêtre. Il a commencé à poser les mains sur la tête. Et sur le front, je lui ai dit, je n'aime pas qu'on pose les mains sur mon front. En bref, il a commencé à prier, il a commencé à appuyer mes seins, puer fort. Je dis non, mais. Vous êtes déshabillé en fait? Non, je n'étais pas déshabillé, j'étais encore avec ma robe. D'accord. Mais il a pué, je dis, ça fait mal. Il m'a dit, il y a les démons sur tes. Il dit, démons comment? Il dit, il y a les démons sur tes seins, on doit prier. Après, j'ai serré le cœur. Il a posé les mains sur mon ventre. Après, il a chargé lui le. Je ne sais pas si c'était lui, ça sentait. Il a soulevé ma robe directement. Comme il a mis la main sur mon ventre, il n'avait pas posé la main sur l'habit. Il l'a mis à l'intérieur. Il a mis la main à l'intérieur. Il a mis la main où ça à l'intérieur? Il a d'abord mis la main. Ici, donc, la main d'avant, t'apparaît génital. Premièrement, sur le ventre. D'accord. Après, il me dit, concentre-toi, ferme les yeux, concentre-toi. Je me concentrais. Directement, j'ai senti comment il a mis mon doigt dans ma manche. Je lui ai dit, tu me fais mal, je sens mal. Je sens mal, il m'a dit, tu es me demande dans ton sens. Il me demande la force. Après, il m'a dit, supporte, on va te délivrer, tu n'es pas sur une mauvaise route. Ce qui me dérange, c'est que quand l'une des filles qui travaille avec là-bas entre dans la salle, parce qu'ils n'avaient pas fermé la salle complètement. Quand elle entre, ils sucent. Quand ils sucent comme ça, là-bas, ils sucent devant la main, dans mon appareil génital. Sinon, ça attire mon attention. Quelqu'un qui constate, qui dit que bon, il prie quand il y a les démons, même si c'est n'importe qui entre, même si c'est même mon Seigneur là qui entre, il ne doit pas sucer. Quand j'ouvre mes yeux, je vois le pénis, son pénis qui est à. Je lui dis que
sais comment. Et tu fais, ça va passer. Il dit que moi, je rentre dehors, je ne peux plus supporter la prière. Il me dit, va prendre les médicaments. J'ai d'abord, quand je sors pour voir mon Seigneur, j'étais à partir. Il dit, ah, peut-être, c'est un truc qui est arrivé. On a commencé, parce qu'on m'avait donné les médicaments mercredi. Je dis donc, je commence le traitement. Je commence à faire le traitement. Tu fais tout le traitement. Donc, je devais boire des médicaments, je devais me bouger, je devais faire l'encens. Pour que donc, ça devait m'entrer dans. Comme il disait que j'ai les démons sur les seins et tout. Pour que ça soupe. Que je me débarrasse de ça. Maintenant, au moment où je. Comme j'avais commencé le traitement mercredi, jeudi, c'est là où, quand je suis en train de faire le traitement, je sens une présence à la maison parce que je faisais ça dans ma chambre. Je sens comme si les gens sont. Une présence des gens à la cuisine et au salon. Quand j'ai fini, j'ai directement écrit à mon fiancé que mais, le traitement, c'est même c'est comment je finis d'expliquer. Peut-être le problème, parce que mon tigre aussi disait qu'il peut venir prier à la maison, comme ils ne s'entendent pas trop dans la famille. Ils ne sont pas nombreux, mais ils ne s'entendent pas. Ils veulent la paix entre eux et tout ça, mais va d'abord. Peut-être que la maison est gâtée et tout. J'écris aussi à ce prix-là, à ce prédateur sexuel, que voilà. Quand je prie, je vois comme ça. Il dit que la maison est en paix. Je vais venir prier. Même parce que je suis contente, non. Mon Seigneur va envoyer son prélat à la maison. Parce que pour déplacer, pour que mon Seigneur déplace quelqu'un, c'est coûteux. Il est arrivé à la maison. Quand il arrive à la maison, il me dit d'abord, il faut que là, ne fais pas d'abord l'encens sans moi. Parce que quand tu fais l'encens, tu dois être à moitié. C'est ce qu'on m'avait dit quand on me donnait les médicaments. Il est arrivé. Il m'a dit, allume le charbon, on a mis l'encens. J'ai dit, on m'avait demandé de se couvrir. Il dit que non, ça ne va pas la peine, tu peux rester comme ça. Il m'a dit, ah, bon. J'avais oublié l'histoire, son peigné debout. Il dit, ah, peut-être qu'il a commencé la prière. Il me dit, lève-toi, je me lève. Directement, j'ai perdu connaissance. Je me suis retrouvée sur mon lit. Il avait les mains. Les douleurs que je ressentais qui m'ont fait revenir à moi, en fait. Il a encore introduit les mains dans mon vagin. Il a encore refait. C'est quand je sens, parce que sinon je dis, on m'avait dit à l'hôpital qu'on ne doit pas me mettre les doigts dans le vagin. Même quand je fais l'amour avec mon homme, il ne me met pas les doigts dans le vagin. Là, il me dit qu'on doit enlever les démons, tout ça, dans mes fesses. Et puis comme moi, je dis, je n'ai jamais. En plus, souvent, on ne m'a jamais dit que j'ai les trucs comme ça là. Il était là sur moi, quand je j'ai reconnu ça. Donc il était sur moi et les mains étaient. Sinon, il m'avait dit, tu peux réveiller. Je lui demande, tu fais quoi sur moi? Il me dit, demande vite ce que tu veux. Là, je vais pousser. Tu fais quoi sur moi? Tu es venu faire quoi? Et je prie, je suis venu prier. Ce sont les mauvais esprits qui sont dans la maison aussi. Et entre temps, j'avais appelé mon mari avant que voilà, mon Seigneur a envoyé quelqu'un pour venir prier. Et voilà. Bref, je suis dans le dîme. Je suis venu même. J'ai même rencontré quel type de personnes. J'ai dépensé mes 145 000 chez qui? Ce sont même les qui, en fait. Comme je devais faire deux semaines, après deux semaines, je devais rencontrer ce Monseigneur. J'étais en contact avec ce prélat, mais le Monseigneur ne m'avait pas donné son numéro, son contact. Il m'avait plutôt dit, va voir le prélat, vous allez vous échanger. Je suis dépassée. Je vais faire comment pour rencontrer ce monsieur? Un jour donc, dimanche, comme il passe souvent les dimanches, dans la chaîne télévision, je vois, il passe, je vois les numéros. J'ai dit, Seigneur, oriente-moi sur les numéros ici, pour que je tombe sur lui, quoi. J'ai écrit, alors en tout cas, il ne savait pas que c'est le journaliste qui avait le téléphone. J'ai envoyé un long message, j'ai raconté tout ce qui s'est passé. Le journaliste s'est exclamé à mon vision. Il s'est exclamé, il a dit, je vais monter. Et il a monté, le Monseigneur a demandé que je l'appelle après l'émission. 20 minutes plus tard, j'ai appelé. Il m'a dit, ils vont faire le conseil des esprits, il faut que je parle de tout ça. J'ai fini de parler, il m'a appelé le lendemain, lundi, j'ai fini de parler. Mais ce qui me fait encore plus mal, c'est que ce Monseigneur-là, il a fait semblant de me demander pardon. Il m'a dit, vraiment, ma fille, je te demande pardon. Je vais te suivre particulièrement, ne te dérange pas. Parce que même les remèdes, là, j'avais déjà balancé ça. J'ai dit à mon mari que je ne touche plus à ça. Parce que non seulement je sens les amas, c'est pas ce qu'il a en train de déposer sur moi. J'abandonne, je ne veux plus et tout. Mon mari m'a donné la force. Il m'a dit, continue, puisque tu as dépassé ton argent. Le même Monseigneur m'a demandé de continuer le traitement. Alors, je suis donc reparti. Il me dit, dans une semaine, repasse. À citer les paris, me rencontrer, je vais te suivre parce que toute la semaine, je vais te suivre. Lundi, je ne passe pas parce que lundi qu'il arrive sur le doigt là. J'arrive un mardi, il n'est pas là. Je l'écris, c'est quand je suis arrivé à la maison qu'il me fait signe que ma fille, je viens d'arriver, tu es où? Bon, je lui ai dit, je ne peux plus revenir, je suis à Bonabéry, c'était pas sur le doigt. Je reviens donc mercredi, quand je reviens mercredi, il n'est pas toujours là. C'est là où je me mets à pleurer, je me mets à prier là-bas que qu'est-ce que vous êtes en train de faire ici? C'est quelle histoire ça? Donc mon agent n'est pas, je viens pour chercher la guérison, pour qu'est-ce qui ne va pas ici? C'est là où l'une de ses filles m'appelle au bureau et me dit, ah, c'est toi ici. Tu n'es pas la première à qui ces gens-là font ça. On était à Yaoundé et il y a celui que tu vas prendre l'argent là, qui est à l'accueil.
qui avait fait la même chose à une femme et les photos de Monseigneur se sont retrouvées sur les réseaux sociaux. Et moi-même, j'ai fait la cellule parce qu'il nous a impliqués. Parce qu'il avait volé la femme, il a pris l'argent de la femme, il a abusé aussi la femme. Et la femme s'est, la femme s'est fâchée. Donc c'est un réseau. C'est un réseau en fait. Wow. Secrètement, tata Julie, j'ai failli me couler parce que je souffre par exemple de mon genre. Je ne suis pas du genre de fille qui aime la facilité, quoi. Je travaille dur pour avoir mon argent et c'est ce que c'est l'éducation qu'on m'a inculquée depuis mon enfance en fait. J'ai dit point de mes 145 000 francs comme ça là, ce n'est pas facile. Je suis venue pour qu'est-ce qui m'a envoyé ici, Seigneur, aide-moi. Elle a commencé à me consoler, Elle m'a dit, je pense qu'il y a un moment, je vais t'appeler. Quand le monsieur, quand mon Seigneur sera là. Quand mon Seigneur était là, il n'a même pas fait ci. Cette fille ne m'a pas fait ci parce qu'il savait toujours que c'est leur réseau. Et après, le lundi, parce que deux semaines, une semaine, je l'ai écrit, j'étais avec mon mari, je l'ai écrit dans le lundi avant d'aller au travail. Que mon Seigneur, est-ce que vous êtes à l'endroit là? Il me répond sèchement, il dit oui, je peux passer. Depuis que tu dis que tu viens dans mon cabinet, je t'ai refusé. Je dis ok, je vais passer demain. Bref, je suis arrivée dans son bureau. Quand je suis arrivée, il a appelé ses gens, son garde du corps, tout son arsenal, quoi. Il a fermé le bureau. Il a commencé à me menacer. Il me dit, je suis venue plutôt séduire son prélat. Je lui dis, je peux quitter le chemin. Je viens de passer les 145 000 pour venir séduire un homme. Je n'ai pas l'homme chez moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Il a commencé à me faire des menaces. Jusqu'à me dire, il a même confisqué mon carnet de consultation. Et il a demandé qu'on me porte mon fourrier. Qui ne me donne pas le carnet. Et que si j'essaie, comme j'ai un petit esprit qui monte sur ma tête, si j'essaie, il y a ces hommes là dans ce pays. Je vais me casser. Il y a mon agent. J'étais trop loin. C'est extrêmement. Et moi, je manque. La première fois que j'ai fait la mort de mon homme, c'était le 26 août. Et quand je vois même mon homme, je le dégoûte. Ça m'a laissé un traumatisme à manger. Je ne mange pas. Il y a eu l'affaire des enseignants. Je ne suis même pas partie faire avec mes collègues. Parce que j'ai perdu le goût. C'est tellement embarrassant, c'est extrêmement, c'est très inconfortable, mais ça fait vraiment mal ce que vous avez raconté là. Et justement, et j'ai même sauté, donc quand il me dit, j'ai sauté à un niveau, je finis donc de faire, j'avais rendez-vous deux semaines, je l'appelle, donc je lui dis que je dois passer là-bas. C'est mon guide spirituel, comme son monseigneur avait dit, que c'est lui que je dois communiquer, et lui va dire à monseigneur. Il me dit, ne viens pas mercredi, je n'ai pas de temps, je n'aurai pas le temps pour prier pour toi. Parce que vendredi, on va en parler. Et je dis ok. Après, c'était mardi, quelque chose comme ça. C'était lundi, on a posé en semaine. Il me dit, passe vendredi. Après, il me dit, je vois, tu es marié. C'est quelle question ça? Quand tu as dit là, j'avais la photo de mon mari, il y a des tableaux. Mm-hmm. Comment? Et en plus, quand on me consultait, j'avais tout détaillé et tout. Il dit que c'est parce que tu es marié. Si tu ne le fais pas avant, j'allais te proposer quelque chose. Comme je veux, j'avais mentionné tout le travail de mes enfants. Je dis le travail. Il me dit non, directement, comme j'ai fait psychologie, directement c'est venu. Il dit, vous êtes amoureux de moi, parce que je lui ai demandé ça directement, c'est amoureux de moi. Il me dit, si je te dis oui, tu vas faire comment? Je lui dis, je lui demande donc, maintenant là, j'ai perdu mes 145 000. Juste à la mesure de me rembourser, je tremblais, de me rembourser ces 145 000 francs, monsieur. Parce que il me dit, quand je prie pour toi, je prie d'abord énormément pour toi, donc ton argent, 145 000, ne va pas. Je ne vois même pas ton argent avec les yeux. Non, parce que je lui dis que j'ai eu à dépenser l'argent pour faire ce traitement. Et les prières étaient. On avait prévu des prières pour ça. Donc tu as le droit et l'obligation de prier sur moi. Il me dit je prie d'abord sur toi. Et de deux, je ne vois pas la couleur de ton argent. Moi, je veux qu'on fonctionne. Qu'on fonctionne. Je viens avec un homme. Et directement, j'ai commencé à penser à mon argent. Ouais, alors, papa. En fait, c'est pratiquement. C'était pas du tout prévu tout ça ce soir. Mais ça va aller. Ça... Je l'ai dit quand même tout à l'heure quand j'introduisais ce programme, que c'est justement parce que Barbara nous a écrit, parce qu'elle souhaitait vraiment se libérer. Et là, on vous a accordé assez de temps, généralement le temps assez imparti, mais là, on vous a quand même donné du temps pour pouvoir vous libérer. Parce que vous l'avez mentionné plusieurs fois, vous souhaitez parler de cette histoire. Oui, c'est sensibiliser mes frères, mes soeurs, on a vu tomber à ce genre de piège. Oui. S'ils veulent vraiment, ils veulent une solution, s'ils ont un problème et qu'ils veulent une solution, qu'ils entrent dans leur chambre, qu'ils se concentrent à Dieu. Je ne ferai plus. Et qu'ils prient. Je ne ferai plus. Je ne ferai plus, s'il vous plaît. Qu'ils se concentrent à Dieu. Qu'ils demandent à Dieu avec soi et qu'ils ne se confient plus aux prédateurs sexuels.